Et salut à toutes et à toutes les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle présentation de Woodbox, la Woodbox du mois de décembre 2019. Et comme vous pouvez le voir, le décor a changé, ça fait au moins 3 fois que je le change depuis que je vous fais ce type de présentation. Donc je teste différents trucs pour proposer des habillages un petit peu différents. Avant il n'y avait rien, le mois dernier il y a eu un petit fond vert et certains ont dit que c'était sympa, d'autres ont dit que c'était pas terrible. Et là je vous mets tout simplement à mon bureau, donc avec mon petit environnement de travail qui peut-être pourrait mieux convenir à l'environnement. Bref, alors je vais prendre un cutter. L'avantage c'est que je suis armé de ce qu'il faut pour vous faire cette vidéo directement. J'espère que je vais pas me trancher un doigt. Alors je vais juste pousser mon petit clavier qui risque de gêner un petit peu. Voilà, c'est parfait. Allez, on va commencer à déballer cette petite Woodbox. On va essayer de faire une vidéo qui ne durera pas plus de 10 minutes, en tout cas je l'espère, et on verra ce que ça va donner. Allez, on commence. Il y a du scotch un petit peu de partout. Alors de temps en temps elles sont scotchées parce qu'elles arrivent comme ça, et de temps en temps elles ne sont pas scotchées parce qu'elles arrivent dans une autre boîte et il n'y a pas besoin de mettre du scotch. Là en l'occurrence il y a du scotch. Alors qu'est-ce que j'ai de beau? Ah, c'est joli. Alors cette fois-ci je me suis délibérément pas spoilé, hein. Je ne suis pas du tout allé voir ce qu'on avait de disponible. Je voulais garder la surprise. Donc on va voir. Alors le thème, donc on va voir, on découvrira ça. Nous avons donc encore un jeu d'aventure pour toute une génération. Donc qu'est-ce qu'on a de beau? Un jeu Wakfu. Vous connaissez? Moi je connais pas. Enfin, sinon, si je connais, mais je suis pas fan du tout. Donc voilà, c'est un petit tract pour ça. Gameplanets.com. Ah, ça j'ai vu cette publicité. Pour ceux qui sont intéressés, je pense que ça peut être pas mal. Pour tout, pour 5. Alors, il y a 5 jeux triple A. Il y a Call of Duty Modern Warfare, Greenfall, Dragon Ball Z Kakaroto qui va sortir bientôt, Bomberland 3 et Monster Hunter. Pour un de ces jeux achetés avec un code promo que je ne vous divulguerai pas, mais vous allez sur gamesplanet.com, vous pouvez l'avoir, vous avez droit à 5 jeux indépendants offerts. Voilà, ça peut être un truc sympa pour les gens qui font du gaming sur PC, c'est pas mon cas, mais ça peut être sympa. Ensuite, nous avons également le petit tract du mois concernant la Woodbox. Donc le thème c'est rigolo parce que j'arrive pas du tout à lire ce qui est écrit. Voilà, bon, je sais pas si vous voyez, mon éclairage me fait peut-être défaut sur ce coup là alors on va voir ce qu'il y a de beau. Ah, je veux pas regarder, je veux pas me faire spoiler. Donc il y a des pubs dont on a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup plus de pubs cette semaine, ce mois-ci pardon, sur ça. Bon, ben, c'est très bien. J'ai pas, voilà, j'ai pas vu, donc je vais faire la vraie surprise. Alors, on commence par le commencement, c'est-à-dire, hop, ça, un petit paint. Alors, à l'œil comme ça, hop, c'est du Rick et Morty, je pense. Je prends pas trop de risques en disant ça. Je pense, je suis même sûr que c'est ça. Donc un petit paint qui sera très certainement pour les concours de l'année 2020. Il y aura sûrement un petit concours pour l'année 2020, donc ça fera partie de quelques goodies qui accompagnera un des cadeaux que je vous ferai gagner courant d'année 2020. Ensuite, ça, ça ressemble, j'ai dit, ah bah oui, forcément, ça ressemble à du logo Star Trek. Alors, j'ai toujours pas identifié le thème, hein. Honnêtement, j'ai toujours pas identifié le thème, donc ça, c'est un petit... petit goodies Star Trek. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un petit t-shirt. Ah ben, bizarre, parce que on a un t-shirt Rick et Morty. Donc c'est rare d'avoir, sauf si c'était le thème Rick et Morty, ce qui n'est pas le cas au vu de ce qu'il y a là-dedans. Donc sauf si c'était du Rick et Morty, mais on aurait dû avoir tout un tas d'autres choses. Là, qu'on a un t-shirt Rick et Morty, qui est plutôt sympathique. Je suis tout sombre au fond, dis donc, on voit même plus. Voilà. On a un problème d'éclairage. Là, la prochaine vidéo, j'essaierai de mettre un éclairage de meilleure qualité quand même. Voilà. Il est plutôt joli ce t-shirt. Hop, on va le mettre là sur le côté. Ensuite, nous avons deux figurines cette fois-ci, ce qui est plutôt rare. Donc, Battlestar Galactica. Donc, j'imagine que le thème, ça doit être l'espace, les trucs comme ça. Je regarderai après. Donc, hop, voilà, petite figurine, petite boîte. C'est des... comment on appelle ça? C'est des mini Funko Pop, là, ou un truc comme ça. Je sais pas, je connais pas les noms exactement. C'est des mini figurines. Donc, on va l'ouvrir. Alors, c'est une figurine surprise, hein. Moi, j'avais fait ça avec des figurines Avengers Endgame. Et donc, il y en avait 12. Et sur les 12, j'en ai eu 11. Donc, vous achetez une boîte et vous avez la figurine surprise. Le thème dépend un peu de ce qu'il y a dedans. Donc, là, une figurine là-dedans. Qui est là dedans, voilà,
Donc je l'ouvrirai tout à l'heure, et au moment où je l'ouvrirai, vous verrez ce qu'il y a dedans. Bah, ah, ça va, j'ai compris, vous voulez voir ce qu'il y a. Allez, ça va, je vous l'ouvre. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. En même temps, Battlestar Galactica, je ne connais pas. Excusez-moi, je ne suis pas un grand adepte de cette série. Donc voilà, on a une petite figurine là, et c'est pas forcément mon trip. Voilà, c'est loin d'être mon petit trip. Donc très certainement, cette figurine là sera à gagner chez vous. Enfin, elle sera à gagner dans un des autres concours. Donc je garde dans sa boîte, elle sera ouverte, mais elle vous sera très certainement offerte lors d'un concours. Donc on met ça dans son coin. Et la dernière figurine qui est une Funko. Putain, elles sont jolies par contre. Hein. Les figurines pop, celle-là, elle est belle. Alors elle est belle. Toujours, mais je suis désolé, je suis absolument inculte ce mois-ci parce que je ne connais absolument pas Star Wars. Ah ben, j'ai le droit de dire que je suis pas un fan de Star Wars sans que vous me tapiez dessus ou pas. Hein, c'est pas forcément un thème dont je suis un grand adepte. Donc cette figurine, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir très 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 délicatement. Mais alors très délicatement, puisque celle-ci va vous revenir dans vos mains offerte. Et elle reviendra chez vous lors d'un prochain concours, puisque franchement, je suis tous un fan de Star Wars, et elle est très jolie au demeurant. Hop, on va faire ça très délicatement. J'aimerais faire ça délicatement. Voilà, elle est très jolie, très lourde. Hein, elle est lourde pour une figurine pop. Elle est plutôt lourde. Elle est plutôt lourde, mais je suis pas un fan de Star Wars, donc forcément, c'est pas ma cam. Et c'est pas forcément avec ça que je vais. C'est pas une genre de figurines qui vont finir dans mon bestiaire, j'allais dire, mais qui finiront dans ma vitrine de figurines. Donc voilà, je la remets délicatement dans sa boîte. Hop là. Hop, hop, hop. Eh bien, vous savez quoi, les amis? Ça, évidemment, il n'y aura pas que ça. Mais lors du prochain concours, il y a quand même de grandes, grandes chances que vous ayez beaucoup de goodies qui étaient dans cette box là. Même énormément de goodies qui étaient dans cette box là et qui vous reviendront en cadeau, en plus du cadeau qui sera greffé. Alors je sais pas encore ce qu'il en est, puisque date à laquelle j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 19 décembre, donc je sais pas du tout quand est-ce que sera prévu le prochain concours, mais il y a quand même de grandes chances que le prochain concours ait lieu, on va dire dans le premier semestre de l'année 2020, et à ce moment là vous aurez droit à beaucoup de ces goodies qui accompagneront le cadeau du concours en question. Maintenant, comme d'habitude, on va vite déballer, en tout cas déplier la boîte. Dis donc, compliqué, hein, déplier cette petite boîte pour voir à quoi elle ressemble une fois qu'elle aura pris sa véritable forme. Hop, hop, hop. On va y arriver, hein. On va y arriver. Toujours pareil, j'ai ma voix qui est complètement en vrac. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai levé le pied sur les vidéos pendant une petite semaine, histoire que ma maladie s'éloigne. Bien que ça aille mieux, j'ai toujours des petits maux de tête, mais j'ai toujours, malgré tout, ma voix qui est toujours dégueulasse. Donc Woodbox Express, je suis désolé, mais j'ai pas saisi le thème. Alors on va regarder vite, voilà, on verra tout à l'heure. On va vite regarder le thème de la box, décembre 2019. Ah, Universe, oui, forcément. Donc dedans, il y a tout un tas de choses. Figurine, alors, je suis un peu embêté, parce que la figurine pop que j'ai eue là, elle ne correspond pas à la figurine pop qui est montrée sur la brochure. Vous voyez, sur la brochure, hop, attendez, je vous montre. Voilà, la figurine pop qui m'est proposée dans la brochure, c'est ça. Alors, ça ne me dit pas beaucoup plus que c'est. Hein. Grâce à notre sélection. Ah, non, d'accord, ok. Grâce à notre sélection de sélectionnages emblématiques de la saga Star Wars. Donc, ça pouvait être celle-ci ou une autre. En l'occurrence, ça a été celle-ci. Ok, bon, bref. Vous avez bien compris, c'est une woodbox qui était sympathique au demeurant, mais qui n'est pas du tout... c'est la première sur toutes les woodbox que je fais où je n'adhère pas forcément au thème, mais forcément c'est des woodbox avec des thèmes surprises. C'est pas un thème qui me passionne particulièrement. Donc, hormis le t-shirt qui est plutôt sympatoche, que je vais vous remontrer encore une fois. Hop, le t-shirt est plutôt sympa.
ce t-shirt là, je vais le garder pour la prochaine box, je vais le garder pour moi, et lors du prochain concours, je vous ferai gagner tous ces petits goodies que je viens de recevoir aujourd'hui. Voilà les amis, petite vidéo très très rapide, voilà 10 minutes, alors on va faire 11 minutes, pas plus. J'aurais aimé vous proposer un contenu de meilleure qualité, mais voilà, je me cherche encore un petit peu. Le fond vert, ça a plu moyennement. Il y a eu des pour et des contre, mais ça a été assez mitigé. Le fond neutre, ça a été assez mitigé. Je pense que ça, c'est pas trop mal. Il manque un petit peu d'éclairage. Donc là, j'ai juste un éclairage, un grand spot qui est juste là. Vous voyez, là, un grand spot qui éclaire, mais qui m'éclaire pas très bien. Donc, je vais essayer de faire l'acquisition d'un nouveau point d'éclairage pour que ce soit un petit peu mieux la prochaine fois. Bon, les amis, merci encore une fois de m'avoir suivi. On se retrouve comme d'habitude. Ce samedi pour une nouvelle session sur Gran Turismo Sport, très certainement, ou sur autre chose, je ne sais pas. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de semaine. Salut.